faire comme nous étions de l'autre côté. We have to be any when they open the doors. Nous devons être à temps une fois qu'on ouvre les portes. We must be there. Nous devons être là. And start our meeting. Et pour commencer notre réunion. Yeah, today is the first Sunday. Aujourd'hui c'est le premier dimanche. And I'd like to speak a little bit. I don't know if we're going to take a long. J'aimerais parler tout petit peu, mais je ne sais pas si on va vraiment prendre assez de temps. As we have to stop around 2 or 6. Comme nous devons arrêter aux environs. Quarter past 2. 14 heures passées de 15 minutes. And see how to explain certain things to explain it to you. Pour voir comment expliquer certaines choses. And if God willing, maybe the next week. Dieu voulant, peut-être la semaine prochaine. We'll see what to do because we must bring what the end of this year to bring the thanksgivings to God. Puisque nous devons amener nos remerciements à Dieu. It means when you see that God since the beginning of this year kept you and He has been your God and He did do many things for you. You can come with your testimony and so forth. Dieu a fait beaucoup de choses depuis le début de l'année. Vous pouvez vous approcher avec vos actions de grâce, même des témoignages. And then we'll see at the end of this year if we're gonna deal with the pastor. I don't know when we'll be here for the end of the year. Nous allons observer pour voir à la fin de l'année peut-être que nous allons nous rencontrer avec le pasteur. And see if we're gonna choose maybe I don't know. Et nous verrons si nous allons choisir, mais je ne sais pas encore. We'll see. Nous verrons cela. The end of this month. Alors, I choose one day. Nous choisirons une journée Where we're gonna meet and do our Thanksgiving. Où nous allons nous réunir pour faire notre réunion d'action de grâce. That's why I'd like to explain you how we're gonna do it. C'est pourquoi j'aimerais vous expliquer comment nous allons procéder. But today I'd like to speak only a little thing, and after that we'll introduce the next week how to bring the thanksgivings to God. Mais pour aujourd'hui, je vais parler juste un tout petit peu et vous expliquer pour que la semaine prochaine, peut-être qu'on va aussi introduire comment on va procéder avec les actions de grâce à Dieu. God bless you. Que Dieu vous bénisse. You know, the Thanksgiving isn't only to bring something to God, vous savez, but Thanksgiving we can bring even our prayers and so forth. L'action de grâce n'est pas seulement le fait d'amener quelque chose à Dieu. Vous pouvez aussi amener votre prière ainsi de suite. However, if you get the inspiration to bring something to God, si vous avez l'inspiration d'apporter quelque chose à Dieu, it's good. C'est bien. No problem. Il n'y a pas de problème à cela. And there you must be blessed for that. Et vous serez béni pour cela. But Thanksgiving, I'll show you and explain you how can we do it. Mais action de grâce, je vous expliquerai et montrerai aussi comment nous pouvons le faire. And if it's the will of God, we will do it at the end of this month. Si cela est la volonté de Dieu, nous le ferons à la fin de ce mois. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. This place, you see that it's a good place. Cet endroit, comme vous pouvez le remarquer, c'est un bon endroit. It's a large hall.
C'est un paix énorme et spacieux. And it's a good with I hope that if we have a concert. C'est aussi bon, j'espère, si vous avez un jour un concert. We will have many places. Nous aurons assez d'espace. And if we have any manifestation. Et même si nous avons n'importe quelle manifestation. We will get a good place. Nous avons vraiment un bon endroit. God bless you. Et Dieu vous bénisse. God bless you. Et Dieu vous bénisse. Okay, I have here yeah, today I'd like to take Genesis 1. Aujourd'hui, je vais prendre Genèse 1. Chapter 1, 14 to 19. Genèse 1. 14 jusqu'à 19. And God said, let there be lights in the expanse of the heavens, the separate the day from the night, and let there be four signs and seasons and days and years, and let there be lights in the expanse of the heaven, to give light upon the earth, and it was so. And God made the two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and the stars. And God set them in, and God set them in the heavens, of the heaven to give light on the earth, to rule over the day and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the fourth day. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de lumineurs dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit le deux grands lumineurs, le plus grand lumineur pour présider au jour, et le plus petit lumineur pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Lord Jesus Christ, we so glad again, O Lord, this morning. Seigneur Jésus Christ, nous t'aimons. And O Lord, we know that we need you every time when we are gathering together. Seigneur, nous savons que nous t'aimons et nous avons besoin de toi chaque fois que nous nous réunissons dans cet endroit. Come down, Lord Jesus Christ. Descends, Seigneur Jésus Christ. Don't forget that without you, we are nothing. N'oubliez pas que sans toi nous sommes rien. That's why we need you, Lord. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Bless, O Lord, this meeting. Bénis ce réunion. And bless every soul present here, Lord, this morning. Et bénis chaque âme présente ce matin ici, Seigneur. And do that before leaving this place, Lord Jesus. Et faites-le, Seigneur, avant que nous quittions cet endroit. Everyone can, oh Lord, feel exactly that if he was in the presence of the living God. Et chacun puisse sentir réellement qu'il était dans la présence du Dieu vivant. If he was sick, Lord Jesus. Et s'il était malade, Seigneur Jésus. Let him live here, oh Lord, heal it in the name of Jesus. Accorde qu'il puisse sortir de cet endroit guéri au nom du Seigneur Jésus Christ. And if there is somebody here looking, oh Lord, the salvation. Ici, il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui cherche le salut. Oh Lord Jesus Christ, give him the conversion in the name of Jesus. Oh Seigneur Jésus Christ, accorde-lui le salut au nom de Jésus. Because we are sending
together, O Lord, under the blood of your Son Jesus. Et nous sommes réunis ensemble sous le sang de Jésus-Christ. Bless us. Bénis-nous, Seigneur. In Jesus Christ's name. Au nom de Jésus-Christ. Don't forget your servant Pierre de Bob. N'oubliez pas ton serviteur derrière la chair. And also give the brethren. Et même l'interprète aussi. Oh Lord Jesus. Oh Seigneur Jésus. Use him as, oh Lord, a microphone. Utilise-le juste comme un microphone. And when, oh Lord, he's gonna speak. Et lorsqu'il parlera. And your word, oh Lord, help these people. Que ta parole puisse aider ces In Jesus Christ's name we pray. Au nom de Jésus-Christ, nous and we commit everyone here. Et nous remettons tout un chacun ici. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Okay. Yeah, as I told you that I want to speak about this thing. Comme je vous ai annoncé que je vais parler à propos d'un petit sujet. And it's a little thing we have to learn together. C'est un petit sujet que nous devons apprendre tous ensemble. You know that we were blessed the last week. Comme vous le saviez, nous étions tellement bénis la semaine passée. Who know that we were blessed the last week? Qui savent que nous étions bénis la semaine passée? Who felt it? Qui l'a senti? No one. Il n'y a personne qui a senti cela. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Oh bien, il faut demander à Angelou. Maybe we should ask how many know very well or feel the presence of God last Sunday or last week? In Chiluba. How many of who feels that the last week the presence of God was even in Chiluba, no one can respond. Même en Chiluba, il y a personne qui peut réagir. Un, deux, trois, et surtout les sœurs, les frères, niet. Nobody can respond to brothers. Okay, ça va. Tout dépend d'une révélation. It all depends on the revelation. Vous pouvez être à deux, d'autres en train de vivre avec des anges, d'autres n'est pas dans la connexion. You may be two at the same place. C'est comme ça avec les choses de Dieu. With the connection and revelation of God, that's how it is with things of God. You know, Brother Branham says, du moment où tu es rentré dans la connexion avec Dieu, Peter was entering in connection with God, Judas ne sentait rien. Judas could feel nothing. Même l'autre, c'est ce qui est. Even the other one, Thomas. Thomas. Thomas ne sentait rien. Thomas could feel nothing. Donc c'est comme ça avec les choses de Dieu. That's how it is with Mais things of God. Je sais que Dieu vous aidera tous. But I know God will help you avoir une meilleure compréhension to et have une connexion, la meilleure. Understanding and connection with God. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Hey, la salle est grande ou comment? Is it the wall that is big or what? Hein? Que Dieu vous bénisse. May God bless you. C'est une grande difficulté maintenant. It is a difficulty. Vous êtes habitué à faire quoi? Dans une petite salle. You were so used with the small auditorium. Mais aujourd'hui c'est compliqué. But today it's a little bit complicated. Mais nous sommes obligés de nous habituer. But we are obliged to get used to it. Cette salle n'est pas tellement grande parce que si Dieu faisait ce que les gens remplissent les chaises. This auditorium is not so vast because if God does in such a way that we have so many people coming, then it will become small again. Maintenant, je me demande comment les frères ne viennent pas à cette heure. Now I'm asking myself a question: how come the brothers are not showing up at church? Je pose beaucoup de questions. I ask myself a lot of questions. Qui viennent à l'église. There's only a few brothers coming to church. Je cause avec eux. I check with them.
Ils disent non, c'est pas vrai, on veut non. They say we coming, pastor. Don't worry, we coming. Il y a les autres qu'on les a bloqués au boulot. Others, I know they working. Maintenant, vous allez toujours commencer à céder. C'est compliqué. It's gonna be complicated. Are you gonna just give up all the time? Presque tous les frères qui font les quoi. Les quoi? Je comment on dit les montants? Most of the brothers doing delivery. Je ne sais pas. I don't know. Donc pour venir à l'église, vous allez. Tout ils sont toujours coincés, ils sont bloqués, ils sont. They always have an excuse. Surtout la fin du mois. Especially when comes month end. Hein? Frère Josué, tu as déjà remarqué que c'est la fin du mois. C'est tout la fin. Especially when we come at the month end. Regardez là-bas, c'est toujours frère. Look on the brother's side. Frère Vlivide, frère Dieudonné et l'homme de Dieu là-bas. Tout le monde ici. Bloqué au boulot. Everyone at work. Les autres, je ne sais pas. Others, c'est comme le frère. Le frère qui. Le frère Gloire, lui, il est au boulot. Brother Gro, moi, il est transport au boulot. He is at work. Il y a les autres de quel quartier? East River. Others, qu'est-ce que c'est? Brothers from East River, Kells River. Je ne vois pas, frère, qui. Il est toujours au boulot, c'est qui? Sœur Virginie, votre mari. Oh, c'est terrible. Le frère. Bon, ça va. On n'a pas à faire vraiment. Il y a les autres qui souffrent, hein, qui n'ont pas vraiment le 7. Donc ils souffrent, ils travaillent avec douleur. Comme on est en train de les presser pour la fin de l'année. Mais il y a les autres qui. Ils se laissent faire. They just taking it slightly. Oh, ça va. Et Dieu vous bénisse. May God bless you. Alors, comme on parlait la semaine passée, nous étions quand même dans une bonne atmosphère. As we were talking last week, we were in a good atmosphere. Nous étions dans une bonne atmosphère. We were under a good atmosphere. Et la présence de Dieu était là. And the presence of God were there. Et nous avons vécu la Pentecôte. And we actually tested or parce que beaucoup de gens m'ont appelé, because m'ont many expliqué. Il y a même le prédicateur qui avait prêché, l'homme de Dieu Daniel, il m'a dit, non, pasteur, c'était vraiment très profond. C'est ce que nous désirons. That is what we desire. Nous avons besoin, quand nous prêchons, après avoir prêché, nous voyons les dieux confirmer sa parole. We need after preaching to see God confirming or vindicating his word. Prêcher, ce n'est pas seulement lire les paragraphes et lire les écritures. Preaching, it's not just quoting. Mais prêcher, c'est quand on prêche, preaching, on termine, we preach, on voit Dieu confirmer sa parole. And we finish and we see God coming down and vindicate his word. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Alors, cette chose est cherchée. This est tellement recherchée. It's so seek after. Et beaucoup cherchent cette chose. And many things are looking for this thing. Et ce n'est pas facile. And it's not easy. Mais si vous la voyez, but if you see it, vous devez être conscient et assuré que nous sommes dans la bonne voie. You have to be conscious and be assured that. Parce qu'après avoir prêché, because after having preached, Dieu vient et confirme sa parole. God comes down and vindicate his word. Maintenant, dans 30 minutes ou 35 minutes, now in 30 or 35 minutes, je vais maintenant vous dire quelque chose. I'm going to tell you something. Nous venons de lire dans Genèse. We've just read in Genesis. Et nous avons suivi avec vous comment la terre était, donc comment Dieu avait créé les deux grandes lumières. And together with you, we followed how God created both lights. Je n'ai pas le temps de vous montrer et de vous donc montrer comment Dieu avait créé la première lumière et ainsi de suite. I do not have much time to show you in details of how God created. Mais je vais seulement parler sur
les deux lumières. But I'm going to talk about just the two lights. Les deux lumières. And the two lights. La Bible dit bien. The Bible says. Il y avait la grande lumière. There were a greater light. Et la petite lumière. And the smaller one. Et Frère Branham lui aussi. And Brother Branham says as well. Il nous a aussi parlé quelque part. And he spoke to us somewhere. N'oubliez pas. Do not forget. Et nous devons croiser Dieu quelque part. And we have to meet God somewhere. N'est-ce pas ça? Isn't it? N'est-ce pas ça? Isn't it? Nous avons quelque part là où nous pouvons croiser. We have somewhere where we have to meet God. Et comme on le disait la fois passée. As we were saying it. Est-ce que vous rappelez la place où on peut croiser Dieu? Do you still remember a place where we can meet God? Qui peut se rappeler de ça? Who can Qui remember? Peut se rappeler de ça? Who can remember? Moi? Ne sors pas de. Qu'il prenne ça. Ok. Alors, c'est-à-dire, qui peut se rappeler de la place où on peut rencontrer Dieu? Who can remember of a place where we can meet God? Qui peut se rappeler? Who can remember? Qui? Who? Personne. Nobody. Amen. Alléluia. Ah. Que Dieu vous bénisse. May you, may God bless you. Donc, Frère Branham dit, nous devons rencontrer Dieu sur les coins. Brother Branham says, avenue Alléluia, point, gloire. On the corner of Avenue Alléluia. C'est là où nous devons rencontrer Dieu. That is where we can meet God. Que Dieu vous bénisse. May God bless C'est pour you. Vous dire que it is to tell quand you vous êtes dans l'église, when you are in a church, ce n'est pas un endroit où vous pouvez commencer à regarder seulement les prédicateurs comme ça. Not a place where you can sit and start looking at the preacher like that. Mais quand vous êtes à l'église, but when you are in a church, c'est un endroit, it is a place où vous devez entrer en esprit, where you have to enter in spirit. Vous entrez dans l'atmosphère, you enter into atmosphere avec les alléluia, with alléluia, avec les hosanna, with hosanna, avec les gloires, with glory. Yes, Lord. Oh, oui, Seigneur. C'est alors que nous pouvons rencontrer le Seigneur. It is then that we can meet the Lord. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Non, non, c'est là. Il est en train de. Ah. Donc, quand vous faites ça, when you do that, c'est alors que vous vous sentirez entrer dans les lieux très saints. That is when you feel the entering into the holy place. La croix où Aaron entrait. The place where Aaron were entering. Autrement dit, in another word, c'est alors que vous entrerez dans les lieux célestes. That is how you will be entering into heavenly places. Donc, dans la présence de Dieu, in the presence of God, vous êtes censé, you are supposed, accepter alléluia, to gloire à Dieu, to say alléluia, glory to God. Mon fils, qui as toujours dit, yes Lord. As my son always say, oui Seigneur. Ce dernier temps, c'est comme s'il est tellement surmené. This last time, it is if he is overcrowded with work. Congé. Donc, c'est une vacation. Tiens, dans le congé de yes Lord. He went on a vacation for yes Lord. Vous voyez, Frère Branham disait, Brother Branham was saying, quand je prêche dans une assemblée, when I'm preaching in an assembly, là où je n'entends pas les alléluia, when I don't amen, hear any alléluia, je me sentirai comme ce peuple-là me hate. I will feel as if those people hate me. Vous me comprenez? Do you understand me? On lui avait posé la question, Frère Branham, pourquoi dans ton église il y a que du bruit, alléluia, les gens sortent. They're asking the question, Brother Branham, why is it so always that is how Brother Tabernacle was one. Branham Tabernacle était chaud. When Brother was alive, Brother was jusqu'à ce que Frère Branham disait, until the point where Brother Branham was saying, un frère lui avait suivi. And Brother followed him. Frère Branham, quand tu prêchais, Brother Branham, when you preached, j'avais senti de donner les coups dans les vitres. When you were preaching, I felt like I must try to beat you. Tu devrais le faire. Brother Branham said, you had to do that. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Donc, quand vous êtes dans la présence de Dieu, when you are in the presence of God, vous amenez
catholique. Donc, quand in the presence of God is a Catholic. Il y a des catholiques donc donc réformés. There is a reformed. Amenez-vous dans la maison de Dieu comme les êtres vivants. Come in the house of God as a les êtres qui respirent. Attentifs à la parole. Breathing. Be careful to the word of God. Suivez-moi très bien. Now follow me. Well, je parlais sur les deux grandes lumières. I was talking about the two great lights. Les deux lumières. The two lights. La première était la plus grande. The first one was the greater light. Et la deuxième était la petite ou la moindre. And the second one was the smaller one. Alors suivez Frère Branham ce qu'il dit. Now follow what Brother Branham says. Je vais un peu lire Frère Branham. I'm going to read Brother Branham. Dans question réponse du 16. In a question and answer preached on 16 May 1954. Frère Branham dit ceci. Brother Branham says this. Paragraph 57. Paragraph 57. Now there is a Jewish. Okay. Ça ce n'est pas tellement, mais je voulais aller plus loin. We'll just go down. Ici, Frère Branham est en train d'expliquer. Here, Brother Branham is explaining. Il prend Apocalypse chapitre 12. He takes Revelation chapter 12. Prenons d'abord Apocalypse chapitre 12. Let us go to Revelation chapter 12. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Revelation chapter 12, verse 1. Nous prenons le verset 1 et 2. We take verse 1. Elle est grecque, sans et a great sun appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was pregnant and was crying out in the birth pain and the agony of giving birth. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Maintenant, suivez Frère Branham ce qu'il dit à propos. Now follow what Brother Branham says about this scripture. Now there is a Jewish Orthodox Church. Maintenant, il y a une église juive orthodoxe. And now is fading out. The gospel is coming in. Et l'évangile est en train d'entrer. Et la loi est en train de presque disparaître. La loi est en train de disparaître presque et l'évangile qui entre. And just as it fading. Et juste au moment où elle est en train de disparaître. There is got to be a new dispensation. Il doit y avoir une nouvelle dispensation. So the woman is with child. La femme est avec l'enfant. And she is in pain. Elle est dans la douleur. And travel pain. Et dans le douleur de travail aussi. Being traveling in childbirth. En train de voyager avec le douleur de l'enfantement. In other words, dans d'autres mots, the Roman Empire had her hunkered down. L'empire romain l'avait sous elle. Donc l'empire romain l'avait donc l'avait assujetti, voilà. She was crying, oh! Elle était en train de crier. Oh, Messiah, come! Oh, Messie, viens! Oh, Messiah, come! Oh, le Messie, viens! Oh, Messiah, come! Oh, Messie, viens! And here we see her again over here. Et ici, nous la trouvons encore de nouveau. Now, as she is traveling. Comme elle est en train de voyager. Bringing forth new born babies in Christ Jesus. En train de délivrer un nouveau né dans le Seigneur Jésus. En train de donner naissance à un nouveau né. En train de donner naissance à un nouveau né. Come, Lord Jesus. Viens, viens, Seigneur Jésus. Crying again, come, Lord Jesus. Viens de nouveau, viens, Seigneur Jésus. The first time she was crying. La première fois, elle criait. Oh, come, Messiah. Oh, viens, Messie. Come, Messiah. Viens, le Messie. But in this last moment. Mais dans ces derniers temps. She is crying. Elle est en train de crier. Come, Lord
Viens, Seigneur Jésus. Come, Lord Jesus. Viens, Seigneur Jésus. In the troubling. Oh, en train de. And birth there. Dans le douleur de l'enfant. To be delivered. L'enfant qui devrait être né. Que Dieu vous bénisse richement. May God bless you richly. Ça, c'est Frère Branham qui est en train de parler. This is Brother Branham speaking. Donc là-bas, selon Apocalypse chapitre 12, according to Revelation, comme je parle de tout et de deux lumières, I'm speaking about the two lights, la grande et la moindre, the greater light and the lesser light. On parle de l'Église orthodoxe. We are talking about the Orthodox. Vous savez Apocalypse 12, c'est là où donc Jésus était. C'était l'église où la femme représente l'église. You know, in Revelation 12, the woman representing the church. Et l'église. And the church. C'est quelle église? Which church is it? L'église qui était enceinte. The church that had a pregnant. Which church? C'est l'église orthodoxe. It is an orthodox. Qui était la première église? Which was the first church? That received Jesus Christ. Mais là, elle était grosse. Now she was pregnant. Grosse de quoi? Pregnant with what? Grosse de Jésus Christ. Pregnant with Jesus. C'est elle qui gardait Jésus Christ. It is her that were keeping Jesus. Jésus est venu de l'église. Jesus came from the church. C'est pourquoi la vision de Jean dans Apocalypse 12. That's why the vision of John in il a vu la femme enceinte. He saw a pregnant woman. Et Frère Branham nous dit. And Brother Branham said. C'est la femme enceinte. This pregnant c'est l'église catholique. It is a Catholic. Qui avait le fils. And that had a son. Qui devrait donner naissance. That has to give birth. Parce qu'elle était dans les douleurs de l'enfant. Because she was in a birth pain. Mais là, suivez. Now follow. Paragraphe 58. Paragraph 58. Now watch what she did. Now watch what she did. Regarde maintenant ce qu'elle a fait. And that now. She stopped. Maintenant elle stops. Elle s'est arrêtée. The writer does. L'écrivain l'a fait. Now, maintenant, he sees another scene comes on. Elle a vu un autre signe qui arrive. Now watch the woman here ready to be delivered. Et maintenant, regardez la femme qui était prête à donner naissance. Voilà. Now the first thing. Maintenant, la première chose. The laws fading out. The law. Love, chandelier. Oh, love. Love, je ne sais pas comment vous prononcez. Love, c'est la loi. Oh, la loi. Voilà. La loi qui disparaît. Ah. That dispensation of them. Cette dispensation de la loi. That dispensation of them candlesticks. Cette dispensation de la loi ne pouvait pas tenir ou continuer. Ah. Candlesticks, c'est oh, cette dispensation des chandeliers. Wow. We had the other nights. Nous avions cela l'autre nuit. This dispensation is coming. Cette dispensation qui fraîche. That was the law. Vous prononcez comment? Law. Maintenant. Law. Law. Maintenant. Ba. Vous prononcez comment? Ba. L'eau. Maintenant la loi. L'eau. Ok, suivez quand même. Adaptez-vous à ce que moi je prononce. Ok, je ne vais pas prononcer ce que moi je ne connais pas. Je ne connais pas parce que les autres ont prononcé. Je vais prononcer ce que moi j'ai appris. Ok. That was the law being a shadow of the good things to come. C'était la loi qui était l'ombre des bonnes choses à venir. Just a shadow. Juste l'ombre. Wish we had the time to go into. J'espère qu'on avait le temps d'aller en détail. All the priesthood and shall have everything in that shadow this. Les sacrificateurs qui montraient comment tout cela était l'ombre de ceci. This dispensation here. De cette dispensation ici. How everything happened back there was a shadow. Comment toutes choses qui étaient arrivées. All this. Pendant le pendant qu'il y avait cette ombre. Pendant qu'il y avait cette ombre. Just the same as the sun is. Juste comme le soleil est. That's the reason people say I was a typo.
C'est la raison pour laquelle les gens ont dit que je suis un typologue. Donc, Frère Branham était en train de comparer. Brother Branham was comparing. Comment la loi a été. Donc, comment la loi était. How the law was. Et la loi était en train de disparaître. And the law was disappearing. Et c'est la grâce qui prenait place. And it was grace that was taking place. C'est l'évangile qui prenait place. It was the gospel that was taking place. Mais Frère Branham, en expliquant cela, il dit. Brother Branham explaining, he says. Les gens disent que je suis un typologue. People say that I'm a typology. Les types m'aident à montrer comment la dispensation change. Type help me to show how dispensation changes. Est-ce que vous suivez très bien? Are you following me well? Donc comment la dispensation change? How dispensation changes? Donc la dispensation. The dispensation. Je n'ai pas le temps de vous donc de déterminer qu'est-ce que c'est la dispensation. I do not have much time to. Mais je veux seulement vous montrer le dernier. I'm just going to show you the two lights. Avec William Mario Branham. With William Mario Branham. Et vous puissiez saisir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. And you may be able to catch what is happening. Et que vous compreniez ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. And then you will understand what il is fait doing. Où? When is he doing et it? Quel moment? And when et is pourquoi doing il le fait? And why is he doing it? Que Dieu vous bénisse. May God bless you richly. Que Dieu vous bénisse richement. May God richly bless you. Maintenant suivez. Now follow. Il est en train d'expliquer quelque chose ici. He's explaining je prends le paragraphe 10. Directement 59. Let us just go straight to paragraph. Et je saute. Hein? And I'm jumping. Non, il faut que je lise ici pour la meilleure compréhension. I had to read here so that you will understand it well. Et on clôture. Écoutez. Listen now. Now. Maintenant. This woman was traveling. Cette femme était en voyage. She was going to bring forth a child. En travail. Cette femme était en travail et elle devrait donner naissance à un enfant. And she was standing there, the sun rising at her head. Et elle se tenait là avec la lumière au-dessus de sa tête. Voilà, cette lumière là, c'est là où nous allons. She was standing there, the sun rising at her head. Elle se tenait là avec la lumière qui brillait sur elle. Cette, ici, on dit cette lumière, c'est le soleil. C'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas si les paragraphes sont les mêmes. C'est quand même que les langages diffèrent. On doit vraiment adapter ça. Ah, maintenant, les langages, à la place des lumières, maintenant, on parle de. Frère Branham parle du soleil. Okay. Parce qu'ici, il répète ce que l'Apocalypse 10 et 12 dit. Well, the sun rising at her head. La lumière qui brillait sur sa tête. The sun. La lumière. Le rising soleil, at her head. Brillant sur sa tête. The moon going under her feet. Et la lune qui était au-dessus de ses pieds. It's done past the well. Cela était fait. See, she is done lived. Through the dispensation of law. Et c'était fini pour elle de vivre sous la dispensation de la loi. Voilà. Et si Frère Branham est en train d'expliquer ceci. Here Brother Branham is explaining this. Donc, dans Apocalypse 12. In a Revelation 12. On voit maintenant le soleil sur la tête de la femme. We see now the sun above. La femme, c'est l'église. The woman is a church. L'église, c'est l'église orthodoxe. Which church? It's an orthodox church. Et l'enfant, ou la femme qui était grosse, c'est l'église catholique qui avait la grossesse de Jésus. And this woman who was pregnant, the child, it was a Catholic church who had a girl. Maintenant, sous ses pieds. Now, under her feet. Il y avait donc la lune. There was a moon. C'est pourquoi Frère Branham dit. That's why Brother Branham said. It's done past the way. C'était fini. It means le temps de la loi était écoulé. The time of law. C'était une autre dispensation. It was another dispensation. Là vous me saisissez très bien. Now, there you following me. Donc la grande lumière. The great light. C'est le soleil. It is the sun. La moindre de la moindre lumière. Là, the lesser light or smaller. Ou la plus petite lumière. Or the little c'est lesser. La lune. It was the moon. Selon Apocalypse chapitre 12. According to Revelation chapter 12. Did you catch the picture? Dans Genèse
In Genesis, chapitre 1, chapter 1, là on parle de la grande lumière. There we talk about the great light. On n'a pas dit que c'était le soleil. They did not mention that it was mais the sun. Dans Apocalypse, but in Revelation, c'est là où Frère Branham lit, il dit, that's where Brother Branham lit, c'était le soleil. Yeah, it was the sun. La grande lumière qu'on parle dans the la Genèse, light that is c'est le soleil dans le, l'Apocalypse. It is the sun. Did you catch it? Vous avez saisi? Did you understand? Parce que je veux que vous saisissez. Because I want you c'est to là où il y a mon that is where c'est là où il y a mon problème. That is where my problem que Dieu vous bénisse. May God bless you richly. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Maintenant, suivez. Now follow. Écoutez. Si she's done living through the dispensation of law. Elle a fini de vivre sous la dispensation de la loi. Paul est en train de parler. Having the shore of good things to come. Ayant l'ombre des bonnes choses à venir. Si just a shadow. Elle est juste l'ombre. The sun was perfect. Le soleil qui s'en va à la perfection. Ah, le soleil qui était parfait. Le soleil qui était parfait. C'est une lumière parfaite. It is a perfect light. Now and they both can shine the same time. Maintenant, tous les deux peuvent luminer au même moment. The law could hang. La loi pouvait s'arrêter. But it won't shine. Mais elle ne peut pas briller. La loi ne peut pas briller. The law cannot shine. Là, il parle de l'ombre. There is talking la loi, c'est une ombre de la vraie chose. The law is a shadow of a good thing. L'Ancien Testament, c'était l'ombre de, du Nouveau Testament. The Old Testament is a shadow of a New Testament. Maintenant, frère, on continue. Now, brother, brother, because the gospel outshines it. Puisque l'évangile a brillé. See, oui. That's why. C'est pourquoi. The moon can hang here. La lune peut s'arrêter ou être suspendue. 12 o'clock in the day. Aux 12 heures pile de la journée. You have to look very close to see. Tu dois vraiment être plus proche pour voir cela, pour remarquer. Tutuk, parce que je vais répéter, mais c'est tutek. Yeah. Non, c'est s'approcher de plus près. De plus près. Hein. That's why. Cela est vrai. Because the sun is so much bright. Parce que le soleil brille tellement. Till it just outshines it. Au point où ça va briller plus que la lune. Maintenant, suivez. Now follow. Le soleil descend. Devrait illuminer, devrait donner la lumière plus que la lune. Hey, to outshine the moon. Et maintenant il dit ceci. Now he says this. It may be still hanging there to show that it was elle last night. Elle peut peut-être être suspendue là pour montrer que la nuit passée elle fit là. But it's light. Mais sa lumière. Mais, but it's light. Maintenant c'est la lumière. It's light. But, mais sa lumière. But it's light. Done. Mais sa lumière est finie déjà. That's the law. Ça c'est la loi. The law's light is done, gone and la lumière de la loi est déjà finie. That's why. Cela est vrai. Now it's a gospel dispensation. Maintenant c'est la dispensation de l'évangile. Gospel of dispensation of grace. La dispensation de l'évangile de grâce. And the power of the Holy Ghost. Et la puissance du Saint-Esprit. Resurrected Jesus Christ manifesting himself. La puissance du Saint-Esprit de la résurrection de Jésus ressuscité. Et donc ressuscité, c'est manifestant lui-même. C'est manifestant lui-même. In a great light than that. Dans une grande lumière plus que ça. Je répète, écoutez. I'm repeating les... Je vais parler en français, écoutez. Maintenant, c'est la dispensation de l'évangile. Now it is a gospel dispensation. La dispensation de l'évangile, c'est la dispensation de la grâce. Gospel dispensation is a dispensation of grace. Alors que la première dispensation était la dispensation de la loi. The first dispensation was of a law. Et la loi, c'était la lune. Law, it was a moon. Que Dieu vous bénisse.
was under the tree. Frère Branham est en train de donner ceci. Brother Branham is now giving this. Vous allez comprendre que ça va changer encore. You will notice that it will change. Que la lune c'est donc la lune est en train de donner la lumière du soleil. That the moon is now giving the sunshine. Donc la loi. The law. La loi donnait la lumière. Donc de la grâce. The law was giving the light of the grace. C'est pourquoi il était dit. That's why it was said. Si tu fais ça, tu vas mourir. If you do this, you will die. If you do this, you will die. If you do this, you will die. C'était un enseignant. It was a teacher. Qui nous amenait quelque part. That was taking us or bringing us somewhere. Nous étions dans une formation. We were in a formation. Mais là, quand nous entrons dans la grâce. Now when we entering into grace. Le problème de la loi. The problem of law. N'est pas disparu, mais la loi s'est emboîtée avec la grâce. The problem of law is not done away with, but rappelez-vous, Jésus, in with grace. Quand il est venu devant les pharisiens, remember when Jesus came to a Pharisee. Il leur avait dit. He told them, je ne suis pas venu abolir la loi. I haven't come to abolish the law. Mais je suis venu amplifier. But I have come to magnify or change. Jesus came to make it clear. We don't cast away the law. Or we don't throw away the Old Testament either, brother. In order to fly while you have to win, the Old Testament is what we and the New Testament is what we and when you have both win, you will then fly while. That is why, brother. La première était la grande. The first one was la seconde était la petite. And the second one was a lesser. Et cette petite. And this lesser one. Était aussi un type. It was also a type. Je vais aller rapidement. I'm going fast. C'était aussi un type. It was also a type. C'est pourquoi ici il dit. That's why here it says. C'est l'évangile, la dispensation de l'évangile. It is a dispensation of the gospel. L'évangile de la grâce. A gospel of grace. La puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Spirit. Donc la résurrection de Jésus-Christ ressuscité. Jesus Christ resurrected. Manifesté lui-même. Manifesting himself. Grandement dans une grande lumière. In a greater light. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. C'est-à-dire Jésus-Christ. Which means Jesus Christ. Il est apparu dans le Nouveau Testament. He has appeared in the New Testament. Lui étant la grande lumière. Being a greater light. Donc il était tout. He was everything. Moïse a parlé de lui. Moses spoke of him. Jérémie a parlé de lui. Jeremiah spoke of him. Malachi a parlé de lui. Malachi spoke of him. Daniel a parlé de lui. Daniel spoke. Tous les prophètes ont parlé de lui. All the prophets spoke about him. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you together? Il était la grande lumière. He was a greater light. Maintenant, avant de sortir. Now, before coming il out. Il doit trouver une petite lumière. He had to find a lesser light. Parce que les deux sont créés en même temps. Because both lights are created in the same time. Did you notice in Genesis chapter 1? Chapitre 1, verset 14. Genesis Dieu créa toutes les deux. Donc toutes les deux lumières étaient là. God Dieu created, les créa ensemble. God created both light at the same mais time. Mais elles devraient être séparées. Now they had to be separated. Est-ce que vous êtes en train de saisir quelque chose? Are you following what I'm telling? Maintenant, prenons les types. Now let us take qui ne faillissent jamais. The type that never fails. Les types de la grande lumière qui est le soleil. The type of the greater light that is the sun. Jésus. It is Jesus. Jésus était la grande lumière. Jesus was a great light. Qui était venu dans le monde. That came in the world. Et le monde ne l'avait pas reçu. And the world did not receive it. Maintenant les types de la petite lumière. Now the type of a lesser light. C'est un homme dit. When the Bible says yes. Que la lune est la femme du soleil. The moon is the wife of the sun. C'est-à-dire le soleil. It means the sun. C'est l'époux. It is the husband. La lune. And the moon. C'est l'épouse. It is the wife. Ils étaient tous aussi créés en même temps. They were both created at the same time. C'est-à-dire ils étaient créés pas au commencement. It means they were created not at the mais ils étaient créés dans l'éternité. But they were created in eternity. Toutes les deux lumières. Both lights. C'est pourquoi. God is one. Dieu avait séparé les deux lumières. God had separated both lights. To a point where.
il y aura des lumières un jour, donc. Il va amener lumière. Ça ne sera ni jour ni soir. Elle est très froid. It will be a cold day. And there shall be a unique day. Et il y aura une journée unique. Which is known to the Lord. Qui est connue du Seigneur. Neither day nor night. Oh, il y aura ni jour ni nuit. Qui ne sera ni jour ni nuit. Qui ne sera ni jour ni nuit. But at evening time. Mais au temps du soir. There shall be light. Il y aura la lumière. C'est le soir la lumière par le temps. Oh, at evening time. Mais là, ce jour ne sera ni jour ni nuit. This day will be neither day. Donc ce sera un jour très sombre. It will be a dark day. Je vais me dire, what the Lord says, no. Dans les âges de l'église. In the church age. Quel âge qui est tellement sombre. Which church age is so dark? C'est l'âge de l'Odyssée. It is a Laodicean. Donc c'est un âge qui n'est ni nuit. It is an age which is not necessarily soir. But at the evening, la lumière paraîtra. The light shall appear. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. C'est-à-dire au temps où il y a encore de l'obscurité. It means at a time when there's still darkness. C'est alors que la lune. That's when the la lune peut aussi commencer à travailler. That's when the moon can also start working. Nous sommes au temps du soir. We are at the evening. Là où il n'y a pas assez de lumière. There we do not have so mais much. Mais quand la lune commence à éclairer, as soon as the moon starts, les ténèbres s'en vont. The darkness are que Dieu vous bénisse richement. May God bless you. Et je suis frère de la Médine. Là où il y a la lumière, when there's light, les ténèbres ne peuvent pas résister. Darkness cannot withstand. C'est pourquoi. That's why. Both lights were created together. Au même moment, at the same time, mais séparés. But they were separated. On les avait séparés. And they were separated. C'est-à-dire nous. It means us. Nous sommes créés au même moment qu'on avait créé Jésus. We are created at the same time when Jesus was also created. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Mais nous n'étions pas créés au temps où on avait créé Lucifer. But we were not created during the time. Lucifer, c'est une création du commencement. Lucifer is a creation of. Mais nous, nous sommes la création. Of eternity. Maintenant, comme la grande lumière est sortie la première, oh, is the greater light, c'est alors que first, elle est appelée l'aîné de la famille. It is called the elder of the family. Jésus-Christ est notre aîné. Jesus Christ is our elder. Il est notre époux. He is our il est notre mari. He is our il est notre sauveur. He is our il est notre rédempteur. He is our il est aussi people. Notre aîné. He is also our elder. Il est le premier né dans notre famille. The firstborn in our family. Est-ce que jusque là vous saisissez le même chose? Are you catching something? C'est-à-dire, it means le soleil, the sun, c'est Jésus. It is Jesus. La lune, the moon, c'est l'époux. It is the bride. Maintenant, voyez là où je vais. Now you see where I'm heading. Quand le soleil apparaît, when the sun appears, c'est la journée, c'est le jour. It is the day. La lune n'est pas là. The moon is not there. Elle prend seulement cette lumière là, elle commence à encaisser. She's just drawing that light to save it. Mais quand elle termine, but when it finishes, et que le soleil s'en va, when the sun sets, la lune aussi prend la place. Then the moon steps in. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Qu'est-ce que je veux dire? What am I saying here? Cette puissance de la résurrection this de Jésus. This power of resurrection of Jesus Christ. Exister dans chaque église là où il y a Dieu. Has to exist in each church where there's God. C'est-à-dire, it means toute église, every church, qui n'a pas cette présence, that hasn't got manifested dans la chair humaine, in the human flesh. Frère Branham dit, Brother Branham says, Dieu n'est pas là. God is not there. Est-ce que vous me suivez très bien? Are you following me? Parce que je n'ai pas le temps de lire nos. Because I don't have so much time to read. C'est-à-dire, it means la lumière, the light, qui est la petite lumière, which is the lesser light, plus la grande lumière, plus the greater light. Cela fait une grande lumière parfaite. Together it form or make a great light. Now, quand la grande lumière s'en va, when the greater light goes away, la lumière prend and the smaller light takes in. L'épouse est Jésus-Christ. The bride it is. L'épouse c'est vous et moi. The bride it is you and I. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.
scripture can tell us. Really, it was the law la grâce. And the grace. Now, if we go further with Brother Brown, the moon is also the bride. Le soleil, c'est aussi the sun is also the bride. À la place de l'époux, in spite of the bride, it is the bride that is taking there is so much darkness today. Qu'est-ce qui se passe? What is happening? C'est-à-dire, it means la lune doit prendre contrôle. The moon has to take control. Brother Branham explaining it here. C'est la lune qui contrôle les marées. It is the moon that is controlling the sea. La nuit, s'il n'y avait pas la lune. At night, if there were no moon, toute la terre devrait être inondée. The entire earth should be flooded. Parce qu'il ne devrait pas y avoir quelque chose pour contrôler les marées. Because there were nothing to control. Pour contrôler l'eau. To control water. Quand la lune monte, avec sa lumière, c'est alors que les marées sont donc that's when the river, the balancé, sea, balanced and controlled, est contrôlé, and kept in place. Et quand la lune s'accouche, le soleil monte. C'est pourquoi nous avons la vie aujourd'hui. That's why we have life today. La terre ici est pleine d'eau. The earth that you see is full of water. Vous voyez le firmament ici. You see the sky. L'espace qui est en haut ici. The space up here. L'espace là, c'est de l'eau. That space that you see, the en bas ici, water. C'est de l'eau. Beneath it's water as well. Dieu a fait seulement ça dans son miracle. God has c'est un miracle si nous marchons. It is a miracle if we walk. C'est un miracle si nous vivons. It's a miracle if we live. Mais sachez bien but que know it very well. Dès qu'il va déclencher seulement un bouton quelque part, ça sera terminé. It, it will be over. Que Dieu vous bénisse le jour. God bless you richly. Donc comprenez que now understand that si vous êtes là, if you are as you c'est are, grâce à Dieu. It is you did you get
preach it here. Je vais répéter. I'm going to repeat. Écoutez. Listen. Et un jour, on était parti. On était parti dans un hôpital. One day we went into a hospital. En Amérique, là, on a commencé à photographier les gens. In America, we start to take pictures of people. Et on était en train de voir les gens en train de prier. And they were noticing people praying. Et Frère Branham dit. And Brother Branham says. D'un coup, on a vu les lumières qui sortaient dans les mains des gens qui priaient. All of a sudden, they just saw a light coming out of the hands of people that were praying. Le Messie. De 7 Est-ce que c'est bien saisi? Is it well understood? Est-ce que vous avez saisi? Did you understand? Frère Branham, en allant plus loin, il dit. Brother Branham, going further. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur, la nouvelle naissance, the new birth, c'est cette petite lumière is this little qui tombe dans son âme, dans son cœur. That fell in his heart. In donc il y a la volume, qui a la dimension d'un bouton. There is a le bouton d'une chemise. Of a little button. Et Frère Branham dit. Says, ça va tomber là-bas it falls there, et commencer à grandir. And then to start to grow, grandir, to grow bigger, to grow petit bigger, à petit, a little by little, jusqu'à ce qu'elle sera grande. Until it will mais quand elle passe quelque part, when it passes, elle sera reflétée. It shall be reflected. Même les appareils even the, peuvent donc device, photographier cela. Even electronic devices can take pictures of that. Il n'y a pas longtemps. It's not far. Je vous ai envoyé donc certaines photos. I've sent you some pictures. Il y a un frère qui avait mis donc la bande. There was a la nuit brother dans who, sa maison. Who was playing a tape. Vous avez vu tous donc les photos. You et il y avait une lumière qui circulait. And there was a light. Et frère Branham dit. And brother Branham dit. Cette lumière. This light. A toujours suffi que la parole. Has always followed nothing but the word. Bien que le diable peut imiter cela. Even though the devil can. Mais la lumière que nous parlons. But the light that we are talking. Suit seulement la parole. Only follows. Là où il y a la parole. Where there is. C'est là the word, où elle vient. That's where it comes. Elle ne vient pas se poser n'importe où. It doesn't come to. C'est pourquoi. Anywhere. Elle est venue se poser sur William Manoel. It came and dwelt. De la parole. It was a store of the William word. Marion Branham. William Marion Branham était le dépôt de la parole. Was a store of the word. Pour cet âge. For this si age. Si vous voulez cette lumière, if you want this il faut light, suivre l'adresse. You had to follow the address. Malachi 4. Malachi 4. L'avenue Malachi 4. The avenue Malachi 4. Rue 17:30. The street of Luke. Numéro Apocalypse 10:1. C'est dans l'adresse de cette lumière. Parce que because là donc l'époux n'est pas là. C'est l'épouse qui est en train de briller. Elle brille avec quoi? Elle brille avec la même lumière qu'avait l'époux. Parce que tous étaient créés le même jour. Pour terminer, écoutez. Oh, in closing, ne sous-estimez pas l'onction qui était sur vous. Never underestimate the anointing that was on se moque de cela. Oh, many people. On ne se moque pas. Oh, many mais ne sous-estimez pas. Do not underestimate. Si vous la considérez, if you consider, c'est alors qu'elle va agir grandement dans ta vie. Because Brother Ron were praying, il disait, Seigneur, he was
or say, Lord, aide-moi, help me, de ne pas la minimiser. Not to underestimate. Parce que si elle est déjà là, because if it is, tu commences à dénigrer. And you start to, et c'est quelle lumière ça? To underestimate. Oh, what type et of light? Et on peut voir aujourd'hui des gens qui tombent. Oh, people that fell. Et si c'est là. Oh, this. Et après ils vivent comme nous faisons. And after that they live. Ce n'est pas ton problème. That's none of your business. Ce n'est pas ton problème. That's none of your business. Ça c'est le problème de Dieu. That is God's business. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Mais quand il vient, now when he comes, il vient avec une nouveauté de vie. He brings a new kind of life. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Ne sous-estimez pas ce que je veux dire. Underestimate. That's what I'm going to tell you. Et vous, les frères qui avaient l'habitude de se moquer, and you, brother, des choses spirituelles, a habit of et les frères, ne faites pas. Never ever do that. J'ai vu des gens, I've seen people enterrés, being buried. Le fait de se moquer de cet homme, just the fact of mocking this anointing. L'onction, c'est ça la parole. Not, anointing is the word. Frère Branham dit, brother Branham says, que vous cherchez la parole. That you are looking for the cette word. Colonne de feu, c'est la parole. This pillar of fire is the word. Il change encore cette nuée, c'est la parole. He changes and he said this cloud. Et il dit que vous voyez cette nuée. And he said when you see this cloud, elle s'était installée à moi. It has set inside. Mais la nuée, c'est ce qu'on a photographié ce jour. The cloud is the one that the was. C'était photographié à la montagne. It was taken picture at a mais comment mountain. Il a dit que cela était installé? How did he say that it set? C'est lui-même prenant des formes différentes. It is himself changing the form. Aujourd'hui, today, Frère Branham nous dit encore again, que c'est une onction. It is an anointing. Cette lumière qu'on a photographiée au-dessus de sa tête, c'est une onction. It is an anointing. Quand elle vient, when it comes, elle secoue. Quand elle vient, elle pousse les gens par la langue. Quand elle vient, elle amène des visions. Quand elle vient, elle apporte la soif de la parole. Quand elle vient, elle amène le vrai salut, la vraie délivrance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc ne sous-estimez pas ce que Dieu a fait. Et encore une autre chose. Après avoir vu ceci, Dieu s'est manifesté dans la chair. Vous, you, ne reculez plus. Do not go back. Ne dites plus encore. Don't say it again. Oh, ma vie n'avance pas. Oh, my life is not changing or moving. Dites ceci. Say this rather. Oh, diable. Oh, you devil. Malgré tout ce que tu fais. Regardless of what you are doing. Le dimanche. C'est quelqu'un. Dimanche le 29, the Sunday 29, j'avais eu quelque chose. I read something. Ça monte, ça descend. Je vais aller de l'avant. Ce que je cherche dans ma vie, what I'm looking bien que je ne la vois pas aujourd'hui, un jour je la verrai manifester. Les gens peuvent même se moquer de moi. Et dire que, depuis, où est ton Dieu? Where is your God? Oh, où est? D'ailleurs, vous dans l'église, oh, c'est vous qui montrez comme si c'est vous qui avez les signes. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Ne dites rien! Don't ever say mais je vais te donner une phrase à prononcer. I'm going to give you a phrase. Oh, rédempteur est vivant! Un jour, day, je ne serai pas ce que je suis. I won't be who I am. Un jour, day, je le verrai. I shall see you. Et Dieu vous bénisse. May God bless you. Est-ce que l'église a bien saisi? Vous aujourd'hui vous êtes la lune. Today you are the moon. Vous et moi. You and I. Nous sommes la lune. We are moon. Ici à Cape Town. Here in Cape Town. Le soleil n'est plus là. The sun is not there. Mais les gens doivent être éclairés. But people has to be lighted. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Les gens cherchent la lumière. People are seeking. Avançons avec l'épée qu'on a. Let us go forward. Et Dieu se manifestera. Avançons avec la moindre chose qu'on a eue. Et Dieu se manifestera. Que Dieu vous bénisse richement. Je ne veux pas vous décourager. I don't want to discourage you. Sinon, otherwise, on peut construire. We can build et détruire encore. And destroy again. Parce que cette chose ne veut pas les raisonnements. Because these things does not want reasoning. Parce que cette chose ne veut pas les décourager. Because this thing doesn't want discouragement. Elle va s'attrister. Otherwise, it will be saddened. Mais, but, elle, la chose fait.
want courage. Comme Josué. As Joshua. Comme Caleb. As Caleb. Caleb et Josué. Caleb and Joshua. On dit. They say. Malgré qu'on a vu des géants. Regardless of the giant that we saw, but nous savons que. We know that. Oh, nous avons la promesse. We have the promise. Notre Dieu. Our God. Nous a dit. Has told us. Que nous allons posséder that le pays. We shall possess the country or the land. Il ne voyait pas à la grandeur de la chose. They did not take notice of the greatness. Il voyait à la promesse de Dieu. They believed in the promise of God. Voyez aussi la promesse you de Dieu. You as well see the promise of God. Ne vous découragez pas. Don't be discouraged. Avancez avec la foi. Just move forward with faith. Comme on disait le vendredi. As we were saying on Friday. Le vendredi on a dit. The Friday we said. Il y a un pouvoir dans l'eau. There is a power in the man. Et ce pouvoir là. And this power. C'est le pouvoir de la foi. Is the power of faith. C'est la foi qui peut agir. It is faith that c'est la foi faith. Qui crée le miracle. It is faith that c'est la foi miracle. Qui crée la guérison. It is faith that c'est la foi qui crée le salut. It is faith that c'est la foi qui crée tout ce que nous désirons. It is faith that creates I'm gonna make you mine.
Father. Once more, we thank you this afternoon. Because you answered to our prayer. You assisted us, Lord. Even though time did not allow us to go deep in the things. But I know des enfants qui ont été préparés pour recevoir cela aujourd'hui. I know that for your children will be predestinated to receive this afternoon. Je t'ai manifesté et ils ont saisi quelque chose. You have manifested yourself and they understood. Ils doivent savoir. They had to know. Ils sont la lumière. They are light. Ils doivent savoir. They have to know. Ils sont la lune. They are the moon. À la place. And the soleil. In the place of the sun. C'est la lune qui est en train de contrôler tout. It is the moon that is controlling it. Pourquoi nous sommes en train de contrôler de tout? That's why we are busy controlling it. Dieu, c'est tout. Come to help us. Assiste-nous. Assist us. Remplis-nous. Fill us. Donne-nous le courage. Give us courage. D'avancer. To go forward. Que cette lumière. With this light. Grandisse en nous. Oh, maybe growing in us. Que cette lumière. Oh, let this light. Puisse briller davantage. And shine more. Que nous soyons. So that we may be. De paroles manifestées dans la chair. Manifested word in the paroles. All the work made for us, wherever we may be. Oh, no more question of no more question of bread. No more question of bread. We want to go forward until we will reach the purpose. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for this afternoon. Thank you for today. Thank you for the adoration. We bless your name. And we bless ourselves. And we bless ourselves. Oh, let us be blessed. Fill us with agape power.